Guys, la vidéo ça nous parle un bail qui est très intéressant côté que nous parle parler de ternary operator. En même temps, on a profité ouais quelques opérateurs de comparaison parce que nous pas trop arrêté sur ça et nous penser bien là ça nous va le faire là très important pour nous et nous va le essayer des détails que nous t'as supposé prêter attention à eux. OK, qui très important que nous penser qu'on a utilisé en pile. OK, dans peu importe projet. OK? Am ça qui n'a fait nous pour ça ne pas loué à ternary operator à li fait leur comme si ou pas comme si entre la question de condition. OK, si tel bagaille fait telle façon ou fait tel bagaille. OK, on sort de condition quelconque. OK, pour dire comme ça, par exemple, si mon gars tel âge ou dit bon monde ça ils sont adolescents, s'il gagne tel âge c'est un adulte, s'il gagne tel âge c'est un vieillard. Vous comprenez, c'est un ensemble de conditions, si conditions ça réunit ou bay telle réponse, s'il pas réuni ou bay telle réponse. OK, donc c'est ça qui ternary operator. Et nous voir plusieurs façons tout pour nous faire pour nous comme si passer des conditions avec JavaScript. You know, c'est qui puis ça qui plus simple hein? C'est ternary operator. OK, donc c'est lui que nous va le censer ouais là. OK, qu'on y a là ça qu'on va le faire, n'a créer un fichier là qui est conditional parce que c'est lui fait partie de liste façon capable exécuter des conditions dans JavaScript. C'est ça qu'on a pris le fichier ça conditional. OK, conditional avec en anglais conditional. OK, donc ça qu'on a fait on a fini ce fichier ça, il nous va connecter lié avec fichier HTML là à côté qu'on a fait conditional.js, c'est venu save. Et puis, comme d'habitude, on a pu ouvrir avec Open with Live Server. OK. Normalement, conditionnel, ça t'a supposé gagner 2N, mais après, ça n'a pas corrigé. Je ne sais pas que ça qui est important là. OK. Donc, ça qu'on a fait, on a pu ouvrir la console nous là. Et puis, parce que le résultat est sorti directement dans la console. OK. Nous allons déclarer une lettre là. Dans la vidéo samedi, lettre, même j'aime déclarer des variables parce que lettre là, il y a varié tout. OK. J'aime dire que c'est juste des langages courants, mais nous connaissons la différence entre let, cons et variable. Nous parlons de ça plus devant, nous parlons vraiment d'entrer dans le détail ça. Pour le moment, nous avons focus sur la base là, OK? Et puis nous avons dit là, nous avons âge, nous avons mis les gens qui ont 18 ans, OK? Et puis, ça que nous parlons faire, nous parlons travailler avec l'argent pour nous faire des CD. D'abord, nous parlons essayer de faire comparaison. Nous parlons de ce que nous parlons faire. Nous allons passer comparaison mais comparaison ça bien supérieur. OK, ça c'est supérieur, ça c'est disons ça c'est inférieur, signe ça c'est inférieur. OK, ça c'est supérieur, ça c'est égal. Nous allons pas mettre un seul égal parce que un seul signe égal là signifie ça c'est un opérateur d'assignement qui nous songe. Si nous sommes synapses, nous avons fait opérateur, nous avons que un seul égal signifie assigner. Après là, nous avons assigné à 18. OK, donc, un seul égal signifie assigner. Deux égal, c'est l'offre de comparaison. OK? OK, nous allons voir ça. Nous allons voir l'autre égal encore qui c'est égal strict là. Il y a trois liens. Nous allons voir pour qu'ils ont invité trois égal. Donc, nous allons voir encore là. Nous allons voir supérieur ou égal. Nous allons voir inférieur ou égal. Donc, nous allons voir ça, vous pouvez faire en dans ternary operator. OK? Donc, ça, nous allons faire, vous pouvez exécuter la condition ça avec ternary operator. OK? Parce que c'est le plus simple dans la condition, façon qu'à exécuter les conditions. OK? Ça, nous allons faire, nous allons dire que nous allons laisser exécuter chaque grain opérateur de comparaison ça. Nous allons prendre le premier qui est inférieur, là, le signe inférieur. Pas vrai? Nous allons dire comme ça, si mon n'a gagné, comme c'est signe inférieur qu'il est là, si mon n'a gagné moins que 18 ans, l'essayant adolescent. OK, qui sont capables de faire? Nous allons dire, on a fait âge, et bien nous disons ça là, parce que comme c'est inférieur qu'il est, vous mettez le signe inférieur à 18 ans. OK, et vous mettez le signe, point d'interrogation qui signifie, si mon n'a gagné moins que 18 ans, donc, on va sortir dans la console là. Donc, on va dire console.log. OK.
qui ont adolescent. OK? Adolescent. Adolescent. OK? Si ou ça c'est premier bagage là, me dit si moun nan gagnent plus bas que 18 ans, lycéen adolescent. OK? Ou sinon console. Un log c'est un mature, OK, c'est un mature. OK? Et puis nous finis là. OK? On n'a pas laissé dans ça la bonne. Et dit comme ça là, c'est un mature. Pour qui ça c'est un mature, c'est parce que l'âge mon nan li pas plus petit que 18 ans, mon nan gagné 18 ans. OK? Le fait que le pas plus petit que 18 ans, donc il est capable 18 ans ou bien plus. OK? Et ça qu'on a regardé là, il y a deux bagages. Première condition, dit si mon nan gagne moins que 18 ans, ils sont adolescents, mais si condition ça pas exact, et bien, il me semble pour ceci, c'est que mon nan sont matures. C'est ça qui passe là. Alors, ce soit mettez par exemple, mon nan gagne 17 ans là, ou elle dit que mon nan c'est un adolescent. Là, nous exécuter un opérateur de comparaison, là, nous disons, nous utiliser le signe inférieur. OK? Donc, qu'on y a qui ça qu'on va le faire, nous voyons qu'on y a passé qu'on y a là avec, même ça, nous voyons le faire qu'on y a pour le signe supérieur. OK? On a besoin de descendre même ça. Pour ne pas perdre du temps, j'aime faire les moins faire ces chiffres et puis ALT et puis me baiser le signe flèche descend et puis là je saute là-bas. OK? On n'a pas utiliser le signe inférieur. Disons le signe en supérieur. On dit qu'on a si l'âge a plus que 18 ans, nous allons changer ça, nous allons dire. Et on mature. Et là, ou sinon, et on adolescent. OK? Je vais commenter ça là. Et puis ça le dit là, il y a un adolescent. Je dis comme ça, si l'âge a plus que 18 ans, lycéen mature. Si, sinon signifie que, sinon signifie bon, si le pas plus que 18 ans, c'est sûr que le pas que 18 ans. Et bien dans le cas ça, nous disons ça, bon, ok, ils sont adolescents. Quand là, nous faisons, nous regardons ça là, normalement, il n'y a pas exactement ça qui t'a supposé, non? Parce que, en termes normal, ok, par exemple là, si nous disons que l'âge a plus que 18 ans, alors que l'âge pas plus que 18 ans, c'est 17 ans, mon n'a gagné. Ok, donc, là, nous sommes capables de clair que le fait qu'il n'y a pas plus que 18 ans, quand même là, ils sont adolescents, pas vrai? Ok, quand nous avons voulu, dans ce monde, nous avons voulu, si nous mettons 18 ans, ça l'a bail, il est toujours bon, adolescent. Ok? Mais le fait que là, nous pouvons tester ces questions inférieures, regarde, si regarde, nous avons pris le nous pouvons le monter directement à 19. Ou elle dit non, ils sont matures parce qu'ils ont plus que 18 ans. Ok? Là, nous avons testé opérateur de supériorité. Ok? Avec le signe supérieur. Nous allons passer quand même, genre, on a pensé à là, nous descendons. On a le droit de partir qu'on y a là pour opérateur de comparaison pour égal là. Nous allons dire là, si l'âge là égal à 18 ans, lycéen mature, s'il n'est pas égal à 18 ans, on va dire ça, nous. Par contre, ça lit. OK? Nous racontons ça lit. Et puis nous signons. Encore une autre fois, nous avons juste commenté ça là pour ne pas confondre du tout. OK? Ou elle dit là, nous racontons ça lit. Nous disons ça, nous faisons pas être restrictifs là. Nous disons ça, si nous avons gagné 18 ans, et ça nous dit là, l'ennemi est égal là, ça dit si nous avons gagné 18 ans, donc son matériel lié. Mais sinon, nous ne pouvons pas aller. Ça veut dire que sinon, ça veut dire que l'on doit 18 ans, l'on doit plus tout. OK? Nous ne pouvons pas aller. Mais là, il y a un truc, on va le monter dans le bagage là. Qui ça, ça gagne lui-même, c'est que lui seulement fait comparaison hein, en raison de valeur. On va le monter dans le bagage. Si je fais ça, je fais ça tout dans le string. OK? Là, automatiquement, son string. Lui, s'il dit que ça, nous ne pouvons pas aller. On va le bagage. Si je mets 19 là, bon, je vais même changer ça là, non? Je vais mettre 18 là pour bagaille. Les voisins, ils disent carrément, ils sont matures. Alors que ça, c'est un nombre, ça, c'est un type de données qui c'est nombre, et ça, c'est un type de données là qui sont string, parce que je mets entre deux coups de ça. Pas vrai? Ils ne peuvent pas supposer exécuter ça, ben moins. Mais le fait que deux petits signes là, ils sont me faire comparaison hein,
en ça li en valeur là et valeur là depuis l'entrée là dans l'île que il veut sembler ça le fait lui fait ça aller ça li on te ca aller en type coercion changer question de type coercion là là encore ça sont conversion qui fait côté que lui prend shrink ça qui n'a pas là lui compare avec ça le son nombre lui prend nombre ça lui voit exactement en string il va prendre en string dans le voile en nombre non mais il prend nombre dans le voile en string est-ce que vous comprenez parce que après là on te ca juste voir comme ça là le style ban mais ça dit là les dimensions sont matures sans problème pas vrai donc ça veut dire là signe égal ça comparaison et pour garder égalité ça veut dire égalité avec deux égal là les pas strict OK nous va le faire là qui plus strict lui même OK nous va comme nous va juste descendre ça encore nous va le côté ça lui même là il fait comparaison en genre et pas genre nous disons en nature et en valeur OK il garde il checker qui type de données lié après ça il regarde qui valeur qui c'est il regarde qui valeur qui c'est là dedans qui a signé là ensuite il détermine quel type de données il y est tout OK donc pour nous faire ça qui ça n'a fait nous allons dire qu'on y a on va mettre 3 égal n'a commenter ça OK et puis nous allons faire qu'on y a là avec 3 égal qu'on y a nous c'est ouais ça dit là nous par contre ça lit parce que l'elle fait comparaison là lui l'elle essaie fait comparaison là lui ouais ça son string et puis ouais ça c'est un nombre. Oh le fait qu'on utilise 3 signes égal qui ça dit très strict, il pas battre les doigts, il pas mal doigt pour lui faire ça pour le passer qui sont de conversion de deux types de données là. Pour le passer d'un type de données en l'autre. Alors que 2 égal là permet ça fait. Ça veut dire à l'stress et ça fait le rap code dans son projet m'a toujours conseillé nous pas utiliser 2 signes égal là plus utiliser 3 signes égal là pour bon réponse qui direct qui sûr, OK? Donc là il fait comparaison hein. En valeur et en type de données, il déduit que bon, par contre, ça l'est. OK? Alors que la sim vous et ça en nombre tout, après le dit carrément, yon mature. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, il strict lui-même. OK? Mettez là, il strict. OK? Strict. OK? Quand nous voyons le parti, nous avons là, pour l'autre encore, qui sait, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Quand nous voyons le parti pour supérieur égal, inférieur égal. Nous allons faire ça. Nous avons toujours pris même ça, nous avons descendu là parce que okay, c'est toujours la même valeur que nous avons utilisé. Nous allons dire comme ça là, si mon ça, ok, si mon ça gagne 18 ans ou bien plus, ils sont matures. Et ça veut dire, l'autre besoin de pas son condition qui nous a que tel bagaille ou bien plus, ou avez utilisé le signe supérieur ou égal. Donc pour faire ça, on fait que le signe supérieur ou égal. Est-ce que nous voyons? L'homme qu'on a si bien 18 ans ou bien plus, lycéen mature. S'il c'est pas ça lié tout, nous va comme ça lié. On juste sorti ça comme ça parce que tu as un peu juste passer deux conditions là-dedans. Ça qui est vrai, s'il nous check s'il vrai, s'il pas vrai, nous ce sont l'autre bagage. Nous c'est là. OK, n'a juste montrer ma fait ma pose ça OK et puis ça que nous allons faire attends un peu n'a fait mais ça là parce que il est tourner là c'est boucle et puis ça n'a fait n'a save après dire exactement yon mature OK kounya là nous dit comme ça c'est l'âge là égal ou supérieur à 18 ils sont matures. Ou après si m'ta dit là par exemple vous ça 17 là. OK, ou après dit carrément que nous pas compte ça lié. OK? Donc c'est dans sens ça pour passer condition supérieur ou égal là. Nous gagne là qu'on deviner encore pour inférieur ou égal là, on prend même petit exemple ça là encore on descend là. Nous va le faire le kounya là pour n'a commenter ça tout. Nous va dire si l'âge là inférieur si l'âge là inférieur OK ou égal à 17 ans n'a pas 17 cette fois-ci OK lycéen adolescent yon adolescent yon adolescent adolescent OK wal dim la yon adolescent parce que depuis l'âge là inférieur ou égal à 17 ans sont adolescents mais depuis elle t'a dépassé ça tout par contre ça lui OK?
Donc c'est ça qu'on t'apprend dans la vidéo, ça nous est un web reader en même temps on a profité ouais opérateur de comparaison. OK, j'espère que tu aimes mes vidéos. Ça qu'on a fait une question, posez-le dans commentaire là, je suis toujours disponible pour me répondre. Sur mes vidéos tout comme ça vous faites c'est partager le ballon pour une grande communauté ensemble et puis like vidéo et puis abonner channel là tout. OK, see you next.